Salut tout le monde, ici SnakeTooth, enfin de retour avec un petit let's play en duo avec mon éternel ami, ennemi, némésis, rouleau de printemps, Simon Thierry. Salut. Et aujourd'hui, on va essayer un petit jeu plus que sympa, très très nippon, n'est-ce pas Simon? Très nippon. Oui, très très nippon, ça s'appelle Earth Defense Force. Ou comme j'aime l'appeler, Earth Defense Force. Voilà, 80. Ou en français... Force de défense terrestre. Donc voilà, et donc comme l'indique le titre, on va sauver la Terre, n'est-ce pas? On va la sauver, on va bien la sauver, mais faudra que quelqu'un nous sauve nous aussi, parce que ça va être dur. Parce que d'abord, faudra nous sauver nous, et puis la personne qui nous sauve nous pourrait sauver la Terre, je pense. Je pense que c'est ça, je pense qu'on est les personnages qui servent à rien au début du film. On est les... J'ai pas envie d'être stéréotypé, mais si on était des personnages dans un film d'horreur, on serait les noirs, parce qu'ils meurent toujours en premier, c'est connu. Donc, on voit très bien que tu t'appelles Sergent Bridou. Oui, alors, c'est un nom que j'aime beaucoup, que j'utilise pour beaucoup. Quand j'ai pas d'idée, je m'appelle Sergent Bridou. C'est super, alors on voit très bien que tu as déjà joué à 3% du jeu, alors que moi j'ai joué à 0% du jeu, donc je compte sur alors, toi pour me porter. Je tiens à te dire que j'ai joué pendant plusieurs heures. Il a joué pendant plusieurs heures, c'est très cool. Émission en normal et en hard. C'est super. Et donc, juste pour te dire. Oui. J'en ai fait une plus d'une quarantaine. Oh ouais, quand même. En normal, et j'ai 3%. Mais les pourcentages comptent pour toutes les difficultés. Ah d'accord. Voilà. C'est un jeu qui est très grindy, mais on peut s'amuser en jouant pendant. Ok. D'accord. Donc je vois ici que je peux choisir mes classes. Je pense que je vais commencer avec le Ranger. Paraît que c'est la plus simple à utiliser. C'est un choix très, très, très avisé parce qu'il est juste bon en général. D'accord. Après, t'as des autres classes qui sont extrêmement genre puissantes. Ah ouais, je vois. Wing Diver. Ah là là, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce Power Ranger shit là? Alors lui, il peut équiper 4 armes en même temps et des armes genre tank. Hein. C'est le gars, il a des armes genre que tu devrais monter sur un tank. D'accord. Et alors le problème, c'est qu'il est extrêmement lent. Il faut un peu de skill pour se déplacer bien avec lui. Ah ouais, le fencer, waouh, mon dieu. Voilà. Le Air Raider est un peu spécial. C'est un peu comme un Ranger, sauf qu'il a pratiquement aucune arme utile. Ouais. C'est juste invoquer il peut appeler des tirs par satellite. D'accord. Waouh, carrément, t'es sérieux? Et des véhicules. Ok, d'accord. Et ça peut aller loin. Tu peux invoquer des mechas aussi, tu vois. Genre, ok. Alors, donc on peut se lancer. On utilise la première mission, c'est ça? Ouais. Qui est le Reconvene. Ok, d'accord. Donc préparation complète. Moi, je suis prêt. Je suis prêt à prendre sur le tas. Et j'ai vraiment hâte que les abonnés découvrent un peu ce jeu avec nous parce que c'est complètement délirant. Non, c'est vraiment, je vous le conseille. Si vous aimez juste des trucs qui sont genre fun, un peu un délire, Metal Slug 3D, je pense que ça vous plaira. Ouais, c'est vrai. Metal Slug 3D, c'est vraiment le mot. Alors, t'as pas terminé tes préparations? Ouais. Non, je les ai terminées. C'est super. Beat back, dis donc, ça commence bien. Ouais. Non, moi, c'est un tank sur un toit, moi. Ok. Donc, on se bat contre des insectes géants, c'est ça? Il envoie 7 heures, exactement. Alors, Sergent Bridou, je te vois. Salut, Sergent Bridou. Alors, comment on joue? Alors, c'est compliqué. La gâchette gauche est faite pour sauter. Ok, d'accord. Pendant que tu fais un sidestep. Ah, d'accord. Ok, je vois. Bon, c'est pas un peu comme si les autres étaient à la guerre sur nous. Ouais, voilà. Donc, on fait des roulades. Tu peux changer d'arme avec L1 et R1. L1 et R1. Okay. Oh, bah, dis donc! Alors attention, ça c'est un missile à Locon et je crois qu'il est entier. D'accord, donc on peut tirer sur les fourmis grises géantes. Oh mon dieu, mais elles sont dégueulasses. On doit tirer sur les fourmis grises géantes. Elles sont en train de tuer la population du ouais. Japon. On est où? On est au Japon, on est en Amérique, c'est quoi c'est-à-dire? On est où? À ton avis. On est au Japon. Alors attends, je vais juste te montrer un truc. Ouais. Tu vois ce que c'est là? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est la grenade de la destinée. Attention, regarde. Et voilà. Waouh! Eh, mais t'as tué des civils! Mais, ah non, ça va, il va bien! L'esprit japonais l'a sauvé! Alors, ce temps-là, je pense pas qu'on peut monter dessus pour de vrai, il est pas à nous. Ouais. On pourra trouver peut-être des véhicules parfois qui seront à l'abandon et on pourra les utiliser. Ah, mais d'accord. Après, le Air Raider pour vraiment. Oh, regarde, je clip dans le tank, c'est trop bien! Ah oui, mais c'est un j'ai fusionné avec le tank, je ne fais qu'un avec le tank. Voilà.
attention, Double Tank Corps. Donc en gros, l'histoire n'est pas très complexe, hein. C'est des aliens qui attaquent la Terre et ils servent de mutants géants pour nous tuer. Oui. Quoi dire d'autre, Sergent Bridou? Eh bien, au début, t'as des fourmis géantes et même si elles sont assez menaçantes, faut pas les laisser approcher parce que sinon elles te chopent et tu peux plus rien faire à part... Elles sont vraiment dégueu. Je vois. Si ça t'arrive, si tu te fais choper, mâche la gâchette, ça t'arrivera peut-être dans sa tête, à un moment. D'accord, donc il y a un peu de random enfin, en gros dans le jeu, c'est ça ? Il y a énormément de random dans ce jeu, c'est et mais franchement, c'est pas une vidéo pour les abonnés qui ont la phobie des insectes. Hein. Non, et attention, parce qu'il y a des niveaux qui sont vraiment, vraiment horribles pour les gens qui ont peur des insectes. D'accord, il va y avoir des araignées géantes et tout ça, j'imagine. Imaginez, parce qu'en plus, pas de chance, la version PS4, elle a plus d'effets. Elle a plus de un peu plus de réalisme, mais bon, ça ne fait pas grand-chose. Ouais. Mais en gros, il y a une mission dans une grotte. Et cette grotte-là, elle est un peu éclairée dans la version PS3. Ouais. Quand c'est dans la version PS4, ils ont rajouté qu'elle était super sombre, et que tu avais des lampes torches, et du coup, tu vois les araignées qui grouillent. Oh non, quelle horreur. Mais dis donc, nos flingues ont une portée de malade. Ah, moi, j'ai un fusil à pompe, ça ne sert pas à grand-chose. Ah ouais, d'accord, tu ne sers à rien comme d'habitude, super, c'est bon, merci. Là, j'ai tué en un coup, là. Ouais, mais il faut que tu te rapproches, t'as vu la taille qu'il faut. Moi j'ai pas envie de me rapprocher de ces machins. Faut pas qu'ils se rapprochent de toi en général. Mais non, mais moi je soutiens, mais de loin, tu vois. Je suis un soldat judicieux. Voilà. Peut-être que t'aimeras le Air Raider du coup. Ouais, peut-être bien, ouais. Faudra tester. Je pense qu'on aura l'occasion de tester un peu tout. Tu peux déjà invoquer un tank par défaut avec le Air Raider, je crois. D'accord, c'est toi qui as encore balancé une grenade du destin ? Ouais. La plupart des armes, il y a quelques armes très minoritaires qui ont des munitions limitées. Ouais. Mais en général, tu as des munitions illimitées et c'est juste le temps de recharge qui fait que ça peut être un désavantage d'en avoir une. D'accord. Alors, tu vois les caisses là que tu récupères ? Ouais. Alors, exactement. Les rouges, c'est des armors. C'est-à-dire que ça augmente la vie totale de ton personnage. Ok. Et putain, il y en a qui a failli m'avoir. Oui, oui. Ça va pas te faire le coup, il va te balancer partout. Ouais. Mais je suppose qu'en normal, ils font pas des dégâts encore énormes, du coup, c'est le premier niveau, c'est ça. Aussi, un truc, tu vois qu'il y a parfois certains soldats qui ont des petites flèches rouges sur eux. Ouais. Si tu te rapproches d'eux, ils vont sous tes ordres. Ah, cool, on peut donc commander, c'est génial. Ouais, même les faire chanter. Tu veux bien en faire chanter, hein, s'il te plaît. Alors, attends. Vas-y, on va le faire chanter. C'est génial! Ah merde, j'ai dit deux fois la même. C'est génial. Alors, pour charger, c'est carré, d'accord. Alors, c'est quand même vachement impressionnant le nombre d'ennemis qu'il peut y avoir à l'écran. Ça explique un peu les graphismes. Mais je te tire dessus sans faire exprès. Je te tire dessus sur mes soldats sans faire exprès, en fait. Ah, je crois que tu peux les tuer. Hein. Ah ouais, il y a un feu. Ouais, tu peux les tuer. Il y a un feu allié, alors, c'est ça? Merde. Il est réduit avec la difficulté. Okay. Là, tu prends que 25% des dégâts que je peux te mettre. C'est quand même pas mal, hein. Oui. C'est-à-dire que je peux te tuer avec une arme nucléaire mal placée. Mais Je suis presque sûr que tu tues tout le monde avec une arme nucléaire mal placée. Oh non, c'est des petites armes nucléaires. Oh là 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 là. Et les caisses vertes. Ouais. Des armes. Et les armes, c'est un peu des loot random et ça détermine genre à la fin de la mission, le loot est déterminé par la difficulté dans laquelle tu joues. Tu vois. Ok. Du coup, on joue quand même en normal, c'est pas mal, non? Voilà. En normal, t'auras des armes pas mal. En facile, c'est un peu l'ennui. En normal, t'as des choses intéressantes. Ok, d'accord. Cool, c'est sympa alors. C'est génial. Oui. Alors, Simon, est-ce que tu peux tenir au courant nos abonnés sur des conditions dans lesquelles tu joues au niveau de ton écran télévision? Alors, on va parler un petit peu. Je joue sur un écran 4 tiers. 4 tiers, mesdames et messieurs. Et oui. Pourquoi tu joues sur un écran 4 tiers, Simon Thierry? Eh ben, c'est une longue histoire. Mon frère, à la base, il vivait dans l'appartement avec moi. Mm-hmm. Et il est parti pour aller dans son propre appartement. Et il a tout pris. Il en a eu marre de toi, en gros. Voilà, et il a tout pris. Genre, j'avais pas de télé, j'avais presque pas de meubles. Plus de caleçon. Mon lit était cassé. nous allons taire les raisons pour lesquelles le lit était cassé, bien sûr. Parce que c'était de la merde. Mais oui, non, désolé de vous décevoir. Tu me laisses aucun mystère. Tu me dégoûtes, Simon. Oui, pardon. Pardon. Mais attendez, la réalité est encore mieux parce que pendant au moins 3 ans, j'ai dormi en équilibriste. Attends, on s'éloigne du sujet là, Simon. Parlez de ta télé là. Attends, parce que là, il y a. Oh là là. Oh, attends, moi aussi. Comment on fait pour tirer?
Non mais c'est moi qui avais la grenade. Oh mais moi avec mon tortoise là je peux pas tirer, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu verrouilles un truc je crois. Oh merde j'ai pris dans les trucs. Faut que je verrouille un des milliards de fourmis géantes qui nous foncent dessus, c'est ça? Mais ouais, c'est flippant, ouais. C'est grave flippant. Bienvenue au niveau 1. Oh la vache. Oh mon dieu, mais ça fait trop flipper. Mais elles sont partout en plus, et on a vraiment pas géré, hein. On n'est pas beaucoup. Wow, je crois qu'il y en a une qui me tient. Je vois rien. Attends, j'ai une grenade. Ok, ça va, il m'a lâché. Il m'a lâché la grappe. Ah, ça y est, j'ai tiré dans la tête. Ok, ça va. Je suis bon. Okay, ça va, il faut pas des gros dégâts. Donc, l'histoire de ta télé, Simon, c'est important. Alors, et du coup, j'y allais chez mes parents, et j'allais voir s'il y avait une télé qui était abandonnée. Ouais. Et il y en avait une. Et genre, je demandais à ma mère ce que je pense cette télé-là, et elle fait « C'est à qui cette télé? Je sais pas à qui elle appartient. » Et Attendez, la meilleure partie de l'histoire arrive. Alors attends, du coup, en fait, genre, bah, je l'ai ramenée chez moi. Et c'est une télé 4 tiers, donc écran, genre français, écran cathodique un peu, tu vois, genre... Ouais, à tube, écran à tube, bien sûr. C'est-à-dire que là, je joue en 480. Ah, c'est parfait. Et c'est comme les vrais. Comme les vrais. Mais c'est bien pour jouer à la PS2. C'est vrai. Même à la PSTV, hein, ma grande surprise, genre, la PSTV était compatible. Bah en vrai, j'ai essayé de jouer avec ma PS2 sur une télé HD et tout ça. Mais honnêtement, c'est moche. C'est vraiment moche. Il y a une distorsion en fait. Il y a une sorte de flou. Oui, c'est clairement pas fait pour ça. Oui, voilà. Donc, pour en revenir à la télé 4 tiers, j'ai commencé à utiliser la télé. Je me suis dit, bon, bah, personne n'a l'air de la réclamer. Et en fait, je suis allé voir mon frère. Enfin, genre, mon frère, j'étais avec mon frère et je lui ai demandé, au fait, la télé que j'ai embarquée, là, c'est pas à qui elle appartient? Et il fait, non, je sais pas, ah, je crois que c'est à la mamie, à un pote. Et du coup, bah, il se trouve que. On sait pas trop quel pote c'est. Et il se trouve que bah, j'ai actuellement la télé, probablement la vieille télé, l'ex-télé. De la grand-mère. Ouais. De la grand-mère de quelqu'un. Oh, je l'ai snipé, cette salope! Oh, tu parles de la grand-mère, hein. Merde, je croyais que tu parlais de la grand-mère. Donc c'était la mission 1, mais c'est un truc de dingue. Ouais, regarde, je vais mettre dans le côté. Ah, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment bien. Ah là là. Ok, donc bon, on va pouvoir jouer une mission un peu plus sérieuse là, ou comment ça se passe? Tu veux passer directement à une mission plus sérieuse? Ouais, j'aimerais bien voir une nouvelle sorte d'ennemi, s'il te plaît, un truc plus gros, plus big. Est-ce que ça te dirait qu'on va faire la mission de la grotte? Oh putain, t'es sérieux, tu veux déjà nous mettre en pression comme ça, toi? Il y a un véhicule très cool qu'on peut utiliser. Ok, d'accord, vas-y, balance-nous, je préfère de commencer à utiliser du tank ou je sais pas quoi. Mais... Ben en fait, j'étais plutôt intéressé de voir, t'as déjà accès à des missions, on peut utiliser les mechas? Je peux invoquer des mechas pour toi. Ouais. On a des missions où des mechas sont utilisables. Mm-hmm. J'essaie de retrouver. Ouais, parce que bon. Ouais, mais je crois que celle-là, je ne l'ai pas. D'accord. Parce que c'est assez loin à chaque fois. Ok. Donc en fait, si on peut invoquer des mechas, ça veut dire qu'on peut affronter des monstres gigantesques. Oui. Sans vouloir trop spoiler, à un moment, vous allez tomber contre des monstres vraiment. Vous vous demandez ce que vous pouvez faire contre eux. Ok. Et d'accord. La réalité, c'est que vous ne pouvez rien faire. Mais. Il y a de l'aide qui vient. Ok, d'accord. Voilà, je n'ai pas envie de spoiler plus parce que c'est vraiment... Tu sais, moi je m'imagine déjà des trucs, hein. C'est marrant. Choka. Mais on a des trucs, on a quand même plein d'outils très stylés. Du coup, j'ai trouvé une map cool. Ouais, j'aimerais bien affronter un truc vraiment, vraiment big, tu vois. Voilà, fais attention à ce que tu demandes, hein. Non, mais je... Tu sais bien que j'aime les choses démesurées, Simon Thierry. Alors... Short defense. Ah, ça, ça peut être pas mal. Okay. Alors, on va défendre une côte. Une côte, d'accord. Alors, Je vais me mettre en air raider et je vais voir si je peux invoquer. Je pense pouvoir invoquer mon véhicule. Ok. Mais je vais garder mon air tortoise. Ça a l'air de faire des gros dégâts quand même. 400, c'est pas mal. Non, en fait, je peux pas invoquer ma. Ah, j'ai 600 ici. Qu'est-ce que c'est? C'est la grenade du désespoir, d'accord. L'hélicoptère, mec, attends. Il y a deux places dans l'hélicoptère. J'ai vérifié, il y a deux places. Donc, it is cool. Bon, allez, on est parti. Alors. Je pense que je ne servirai à rien en combat en soi-même, mais que je pourrais te passer des joujoux intéressants. Ok. Et je pense qu'on va devoir un peu rester sur une seule position. Genre, les ennemis vont nous flood les uns après les autres. Ouais, je vois. Bon, on est parti. Alors déjà, les textures qui chargent, c'est pas grave, c'est des aliens.
Alors attention. Oh bah dis donc. Oh c'est quoi ces trucs? Alors ça, j'ai envoyé un bouclier. Ouais. Alors je vais invoquer l'hélicoptère tout de suite. Bah vas-y mec, invoque un hélicoptère, c'est un truc de fou. Moi j'ai pas envie de rester par terre alors avec ces machins qui volent. Oh mais ça fait trop stressé. C'est quoi Simon? C'est les aliens. Ouais mais c'est quoi ces trucs? C'est des vaisseaux spatiaux. Oh putain de merde, oh putain. Oh. Voilà, on est un peu flooded. Wow, c'est quoi? Alors ça c'est mon hélicoptère. Ok d'accord, mais il est minuscule. Alors appuie sur select. Tu veux dire option? Attends, non j'ai plus, attends. Oh Simon, au secours. Ça c'est rond, appuie sur rond. Ok d'accord, j'arrive. Comment je fais? Je crois que je peux pas monter en fait. Oh le traître, tu m'abandonnes? Vas-y. Ok ça va, je suis là. Ok donc je peux tirer. Mais je peux pas conduire. Si je peux conduire. Si, tu dois essayer d'appuyer sur L1 et R1, je sais plus comment on conduit dans le jeu. Alors attends, non, L1 c'est les missiles. Et c'est tous les boutons. Attends, non. C'est le maintenir parce qu'il met du temps à décaler. Non, ok d'accord. Oh, merde, allez. Essaye 3 ou X. Croix ça marche pas, carré ça marche pas, triangle ça marche pas. Croix ou X, oui, mais merci pour ton aide éclairée, Simon. Descends, je vais t'aider. Oh, mais c'est pas possible, on va se faire tuer. Pourquoi on est que deux? Ah, parce que. Ils sont 10 milliards! Alors tu vas maintenir L2 pendant très longtemps. Oh non, c'est pas vrai. Oui. Oh non. Allez. Ah, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi je peux plus. Non! Je crois qu'il est encore montable. Oh non, merde, mec. Il a pas explosé encore. Il a pas explosé. Oh mais on est dans la merde, hein. Enfin, moi je suis dans la merde. Je peux pas encore en appeler un, là. Genre, je suis désigné. Oh non, déception ultime. Ouais. Bon, attends. Voilà. Je pète tout avec mon Stingray. Qui a besoin d'un tank quand on a un lance-roquette, mec? Un vaisseau mère en train de tirer, en fait. Où ça, un vaisseau mère, putain? Mais t'en regardes pas en haut? Oh non. Mais c'est la. Mais c'est la lune! On peut tirer dessus sur ce truc? Pas maintenant, et tu devrais être content. Oh non, Simon! Parce que c'est un boss, ça arrive bien après ça. Oh là là, mais je suis mal en point là, hein. J'ai plus que 77 points de vie là. On peut recommencer la mission si tu veux pour essayer de God's the Helicopter Dive. Attends, ça va, on peut gérer, faut juste pas être trop bourrin. Ouais, mais faut que je tue des ennemis, mais j'ai pas l'arme idéale pour ça, parce que si tant que tu tues pas l'ennemi, je peux pas mettre l'hélicoptère. Ouais, mais ça va, ça prend quand même pas mal de dégâts avec la mitrailleuse, non? Normalement, on devrait pas être trop loin de l'infinité. Ah, déjà? Oh, mais parce que là, c'est juste cette vague-là d'ennemis qui arrive. Ouais, mais je vois encore plein de points rouges, hein. Tu verras toujours plein de points rouges. Il y a encore pas mal d'ennemis, là. En tout cas, ils sont méga chelous, ces vaisseaux-là. Ah, et après, il y a des versions plus puissantes qui sont plus durables. Ah, ouais, bien sûr, j'imagine. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Non, ce jeu en jette vraiment. Tout ce que c'est. Et honnêtement, je vous le conseille à tous si vous aimez bien les jeux un peu défoulants comme ça, de jouer avec des potes pour les nuls. Je risque de bientôt pouvoir appeler mon putain d'hélicoptère. Putain, Simon, s'il te plaît, dépêche-toi. Je me sens pas en sécurité là. On n'est pas en sécurité. Je me sens vraiment pas en sécurité là. Simon, je me fais canarder en plus. Attends, parce que moi, mon arme est pire de la merde. C'est la peur ultime. Oh là là, il y en a trop. Comment ça se fait qu'on est si peu? On est les... Ils sont où les autres? Ah, ils sont morts, je pense. Me dis pas qu'on est l'élite, hein, parce que... On est l'élite. La Terre est foutue, hein. Ah, la Terre est complètement foutue. Ah là là, et j'ai plus de... Ah si, j'ai encore des lance-roquettes. J'ai plein ton hélicoptère. Je te rejoins, Snake. J'ai encore du lance-roquettes. Tu me vois, là? Je te vois. Tu me vois? Je suis où? Moi, je me vois pas, putain. T'as couru où, espèce d'enfoiré? Je te vois au loin. J'espère pas te tuer avec une roquette. Attends, je te lance... Hop, j'ai lancé la grenade vers toi normalement. Essaie de trouver une fumée rouge. Non mais moi ça va, je vois ton pseudo là. La fumée rouge est derrière toi. Ah d'accord. Ok, je te vois. Non, va à la fumée rouge. Ok, il faut aller à la fumée rouge. Y'a pas moyen de sprinter dans ce jeu? Tu peux rouler. Oh putain de merde, mais c'est trop un mauvais plan là. On va mourir, Simon. Je vais mourir, j'ai plus que 10 points, 10 points de vie. Attends, j'ai un garde-poste. Après la fumée rouge. Oui, j'y vais. Oh, c'est la pression, c'est trop la pression. T'es où là? Pourquoi tu vas pas à la fumée rouge? J'y suis. Il y a l'hélicoptère là. Bah, je vois pas l'hélico, hein. Normal, t'es pas compliqué. Ah, bah, j'ai vu la fumée rouge.
Okay, attends, ça va, j'arrive. À peine il a atterri qu'il nous a pris. Oh non, c'est pas vrai. Mais en même temps, t'as vu ce bordel? Je pensais qu'il serait moins. Comment c'est possible? Simon, ils sont trop nombreux. Ah là là, l'hélico, il est à l'envers. Il a la tête à l'envers, l'hélico. Oui, la seconde où il apparaît, il me dit. Mais je vais mourir, y'a pas moyen de me soigner, là? Tu trouvais des caisses blanches qui te donnent de la vie? Oh, mais moi je me cache d'ici. Hein. J'ai plus que 5 HP, comment tu veux que je sois? D'ailleurs, quand tu meurs, tu peux être réanimé, mais ça coûte la vie. Ah bah, réanime-moi, s'il te plaît. Sergent Bridou, j'ai besoin de toi. Voilà, okay, donc là, j'ai plus de vie. Ah bah, meurs. Oh là là. Oh non. Attends, comment je fais? T'appuies sur rond, pas de moi. Juste rond, ok, d'accord. Voilà. Coup, ça va, on a encore une chance de survivre. Oh ouais, non, c'est trop dur, ils sont trop nombreux. Ouais, et on est en normal, hein, j'ai déjà précisé. On est en normal, oui, mais bon, j'ai pas non plus beaucoup de stuff là, je veux dire. Je suis vraiment bon. level 0 là. Je peux encore te réanimer? Oui, non, là tu peux plus. Oh non, la déchéance. Est-ce que tu veux qu'on redémarre la mission et que j'essaie de mettre directement l'hélicoptère? Ouais, allez, on teste. Je crois que ça sera mieux. Voilà. Là, on a un peu pédalé dans la smoule, mais c'est toi qui conduis. Hein. Mais tu veux pas, mais toi, on peut pas être deux dans l'hélicoptère. T'es sûr? Ouais, j'ai aussi beaucoup, en fait, il y avait deux armes, mais pas deux équipements. Ah merde alors. Voilà, je pose ça là. Ok. Le bouclier, il est vraiment boucliage? Je pense pas. Il sert à rien, en gros. Ouais, probablement qu'il sert à rien. Oh là là, c'est bon. Alors ouais, et du coup, en fait, ça prend très longtemps à démarrer, donc rentre dedans et tu appuies sur L2 tout le monde. Ok. Voilà. Donc faut que je rentre de ce côté-là. L2 c'est pour aller vers le haut. L2 hein. Ok, en effet oui, je vois les hélices qui tournent voilà. méga vite. Donc, et voilà, après pour le contrôler c'est normal quoi. C'est ça? Ouais, après ouais c'est tu okay, t'abandonnes l'océan. Okay. Allez, on y va. C'est bon, on est bon. I believe I can fly. EDF. I believe I can touch the sky. Oh là là, c'est beau. Ah là là! Waouh! Mettez les Valkyries là! Pa 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 pa
Ah mais non, ils sont trop, comment tu veux. Ils sont trop nombreux. Oh, mon hélicoptère, il a encore explosé. Oh non, merde. Mais faites pas vite, ils sont tous sur toi là, tu peux pas décoller. Bah ouais, j'imagine, ils sont 18 000. Ouais, je pense pas cette histoire pour la finir. Oh merde. Ouais, je crois qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre. Ouais. Oh merde. Ça dit qu'on quitte tout de suite parce que je pense qu'on va. Non, mais jusqu'au bout, mec. EDF jusqu'au bout. Allez, on n'abandonne pas. On se bat ensemble, on meurt ensemble. D'ailleurs, c'est des touches directionnelles pour payer EDF. D'accord. Ah ouais, bah non, mais c'est des émotes et tout. Moi, je me bats, je suis trop putain de battre. Après, qui sait, un miracle, hein. Des miracles, on connaît ça, nous, hein. Allez. On est un miracle. On est des miracles vivants. Eh merde, je suis mort. Je vais t'aider. Oh non. Sergent Bridou, vous êtes tellement onctueux. Ah, je le connais en onctuosité. C'est-à-dire qu'il y a des medipacks un peu partout sur son bataille. Ah ouais, vraiment? Ok. Et il y a les gros medipacks jaunes qui l'ont pris, il y a les petits blancs. Moi je dis, mec, on peut y arriver. On peut y arriver si on joue ça bien. Ça a l'air de se calmer. Ça a l'air, ouais. Ça a l'air. Donc les gros trucs blancs, c'est des médicules tout à l'heure, ok. Ouais. Ah ouais, dis donc, en plus, ouais, c'est généreux, hein. Ah bah en même temps, t'as vu ce qu'on se partait qu'on pensait. Ouais, j'avoue. Oh, pour... ils ont le droit d'être généreux avec ces putains de trucs, là. Allez, recharge. Ouais, mais c'est l'enfer. Oui. Quel joyeux bordel. Voilà. Ah, ça y est, t'as encore demandé un... J'ai encore demandé un support en bas de mon radar. J'espère que j'ai pas demandé sur le pont, sinon il faudra que je monte le pont. Ah mais merde, ouais, parce qu'en gros tu peux quand même choisir l'endroit où tu... Oui, c'est-à-dire qu'il faut aussi le faire jeter la grenade dans un endroit qui n'est pas nécessaire. Ok, d'accord. Parce que c'est ça là. Oh merde, bon, je crois qu'ils vont tous mourir avant que tu vas gagner avant que... Ouais, ça se calme. Waouh, on a réussi. On a réussi. Ouais, on a réussi. Oula, ah là là, oh putain, j'ai failli me le manger. Oh la vache. Allez. Allez, vas-y. je sors. Ah, excellent. Voilà. Ok, d'accord. On peut tester la mission de la caverne, là, avec les armées. J'allais proposer, parce qu'il y a un véhicule très très cool et beaucoup facile à sortir. Ça, bien sûr, c'est versant. On parle de ces versions améliorées aussi. Ok, donc on est parti pour la fameuse mission de la... Oh, bah dis donc, c'est une... On n'est pas tout seul, heureusement. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On est les soldats devant... On est les vrais, on est les seuls, on est l'élite. Yes. Alors attends, j'ai juste envie de faire un truc. Je vois plein d'ennemis devant, qu'est-ce que c'est? Ça c'est parce que c'est la mort. C'est la mort? Oh putain, ok ça va, c'est que des... Oui, c'est que des fourmis pour le début. Pour l'instant c'est que des fourmis, ok d'accord. Voilà. Quand tu vas entrer dans la vraie grotte, j'utiliserai la vache. Ouais ok, en plus là c'est facile parce que dans un petit couloir comme ça... Ouais voilà, c'est quoi les explosifs? Ouais. Je sais pas quoi qu'on servir à mes mines, mais franchement. Ok. Ouais, et quand il y a tous les cadavres comme ça, t'as à la limite du mal à voir qui est vivant ou pas, quoi. Tu vois, au niveau du jeu. Oui. C'est toujours le bordel dans ce jeu. Tu peux te dire que c'est très dur de lire, surtout qu'ils ont fait que les monstres étaient extrêmement gros, surtout ceux de base. Bah ouais. Alors, là on rentre dans la vraie cave. Oh putain, ça fait flipper grave. Alors, attends. Du coup, là je vais l'invoquer là. Tu vas invoquer un méca spécial pour les... Oh, voilà. Bah dis donc, trop bien! On dirait le truc du Ghost in the Shell. Essaye-le. Je peux le tester, hein? Ouais, bien sûr. Wouah, trop bien! Alors, tu peux monter? Tu peux monter? Non, tu peux monter. Mais appuie sur les autres touches, genre... regarde ce que tu peux faire. Avec ok, 3, alors... Ou L2, c'est tout. Alors, je peux... Oh non! Excellent! Oh, mais c'est trop hype! Mais ce jeu est génial! Mais c'est pour les croix. C'est vraiment trop hype, mais du coup, comment je redescends là? Ah, ok, comme ça. Ah, tu te démerdes en fait. Ah, d'accord, d'abord tu choisis une direction de saut et puis il saute. Ouais. Il est dur à contrôler. Ouais, mais c'est génial. Ah, donc attends, compas de gun. Ok, d'accord. Ah, faut vraiment que je tire gauche et droite quoi. Oui, t'as deux flingues. Ah, mais par contre, j'ai un Gatling gun quelque part. Attends, il est où le Gatling? Wow, mais c'est trop bien! Ah là là. C'est excellent, c'est vraiment excellent. Ok, d'accord. Je crois que je peux monter sur toi en fait. Ok, bah essaye, je sais pas. On laisse nos potes tout de suite pour le contest. Ah ouais, non, tu glisses. Ok, d'accord, ça, c'est pas grave, on va y aller. Waouh, je suis un méca araignée contre de vraies araignées géantes. Attends, arrête de bouger, j'ai envie de c'est un peu. Vas-y. Est-ce que ça te rend plus fort si je fais ça? Ah,
l'arme ultime. Une arme pour dépasser le Metal Gear. Tu vas pas exploser. Oh waouh. Non mais me fais pas exploser mec. C'est sérieux. Ah mais je peux pas faire. C'est une mine de proximité par contre. Oh merde. Attends. Ouais, là, c'est un truc qui tire. Peut-être que c'est un truc qui tire. Mais non, c'est une clé mort. C'est une clé mort, mec. Oui. T'es sérieux, toi? Tu m'équipes avec une clé mort sur moi. Et si, comme ça, au corps à corps, t'as aussi un avantage. Oh, t'es dingue. T'es complètement dingue. Ok, mais pour l'instant, c'est que. Y'a des araignées dans ce niveau ou pas? Si je me souviens bien, ouais. Mais les araignées, elles ont déjà produit. D'accord. Au niveau de cette mission, elles étaient déjà là. D'accord. Tu vois déjà. Ouais, je le vois. Oh là, qu'est-ce que vous faites? Ok, j'ai envie de sauter là. Donc, tu peux sauter? Peut-être pas assez haut. Mais essaye. J'essaye. Non, c'est pas assez haut en effet. Peut-être que des versions. Parce qu'après, tu peux avoir des versions plus puissantes de ces véhicules là. Ok, peut-être d'accord. Je peux pas essayer d'enlever cette clé mort, je pense pas. Non, laisse-la, écoute, c'est pas grave, ça me fait une petite sirène. Tu veux que j'en rajoute d'autres? Non, ça ira. Ça, comme ça fait limite sirène en mode police de la Terre. Vous êtes en état d'aliénation. Alors là, c'est le bon moment. Ok, j'y suis. Ah, mais en fait, quand c'est comme ça, tout est inversé. C'est dingue. Regarde ça. Alors là, ça y est. Je crois que c'est là. Ok, les araignées arrivent. Ouais. Ok, pour l'instant, je vois encore que des. Ah ouais. Mais j'ai une Gatling Gun. Mais comment je tire à la Gatling Gun? Peut-être L1 ou R1. Ah non, ça va, j'ai compris, il faut que je tienne appuyé sur L2. Ah, parce qu'il vient d'en démarrer. Hein. Ah ouais, mais du coup, je peux tirer avec toutes les armes en même temps, c'est de la folie. Oui. Je te dis, c'est Metal Slug. Ah, c'est sympa, hein, c'est vraiment sympa. C'est bien, dans ce jeu-là, il y avait des araignées comme ça. Ah, écoute, c'est pas grave, hein, des fois, sont des astronautes ici. C'est une surprise. Faisons pas les fines bouches, hein, je veux dire. Ouais. Ah, déjà, tu as le crawler. Ah, mais si, il est magnifique ce méca, vraiment! Ah, c'est bien! Oh là là! Ok, d'accord, alors quelques ennemis encore qui restent par là. Il y a un boss à la fin de ce niveau? Non. Ça, il y a beaucoup de niveaux et il y a un niveau dans une grotte qui se termine par un boss et je crois que c'est une reine fourmi géante, si je me souviens bien. Oh, cool! Ouais, donc des fois c'est tout simplement des versions encore plus géantes des ennemis. Des versions alpha, mais dans ce jeu a une tendance à introduire des boss et après ça devient les ennemis normaux. Putain, ouais, j'adore ça. Donc, voilà, c'est pas vraiment du spoil, on va dire c'est plus de pour intéresser. Oui, ben on connaît un peu le concept. Alors ça y est, ça commence, c'est saloperie. Oh non, elles sont dégueulasses. Alors, ils tirent des toiles. Oh non. Ils tirent des toiles pour t'attirer vers eux. Oh, elles sont dégueu. Elles sont trop dégueu. Oui. Oh, dégagez de là, saloperie. Hey. Ah, ils me tiennent. Ah, ça va, tu veux aussi invoquer un crawler. Ouais. Oh, merde, j'ai plus de crawler. Donc pour tirer, c'est déjà. Ah, faut que je change d'arme. Oh, bordel de merde. Ah, c'est trop flippant. Il a fallu que ce soit maintenant que mon mecha soit détruit. Oh, close-up, elles sont horribles. En plus, ouais, attention, elles te tirent vers toi, des rails avec leur toile d'araignée. Oh, non, ça va pas être possible, ça, hein. Non. Horrible. Ah, elles ont détruit mon... Déjà ? C'est incroyable, j'ai plus... il a pas de vie, mon vie. Oh non, Simon ! C'est pas possible, comment on va faire maintenant ? Peut-être marcher sur une de mes mines. Ça t'apprendra en foutre partout comme ça. J'en placerai quelques-unes, parce que... Oh merde, j'en ai placé deux à la fois. Oh fuck. Ah mais elles sont trop flippantes, elles sont trop dégueu. Ah bah en plus avec ça là... Je sais même pas par où on doit aller, elles sont partout. Ah, on doit juste les tuer. Ouais, on doit juste les tuer. Débarrasser la terre de ces monstruosités. Ah ouais, déjà celle de taille normale, hein, bon, mais alors les géantes. Ah ouais. J'adore quand elles meurent, elles font des petits sauts périlleux en arrière, là. Les ragdolls, c'est... Derrière toi, Simon. Ah. Oh putain, c'est trop... J'ai pas encore de quoi invoquer, là. Ah, elles sont horribles. Ouais, bienvenue dans le monde des cauchemars. Ah, j'adore le ragdoll, quoi, ils sont morts. Ouais, t'as quelques émotes qui te font crier avec le personnage. Ouais. Alors, j'en vois une qui s'approche de nous. Là. Ouais, elle a la émote. Ouh là là. Viens là, saleté. Elle saute vers toi, hein, c'est horrible. Ah, il y a des pattes qui... Donc c'est par là qu'on doit aller, nous, c'est ça?
Alors, je crois qu'en fait, on a un cas classique de ce niveau, des ennemis qui sont bloqués dans les murs. Ouais, donc les ennemis respawn en infini, c'est ça? Non, c'est juste qu'ils sont bloqués dans les murs. Oh non! Horrible. Les pauvres, elles me feraient presque de la peine. Voilà, donc là, on va chercher les autres, qui nous ont pas attendu. Bah bien sûr, bande de sales connards, personne n'attend Bridou et Snake Tooth. Ah, personne ne nous attend. Hein? Pourtant... On a un autre squad à côté, là. Pourtant, c'est nous qu'on a sauvé la Terre dans Metal Slug. Ouais, plusieurs fois. Alors, attends. Mais c'est bien, en tout cas, les niveaux sont pas trop linéaires, hein. On peut aller en haut, en bas, en à droite, à gauche... Ouais, ouais, bah ouais, en plus ton véhicule tu peux l'utiliser dans la ville aussi. Hein. Ouais. C'est chelou, tu vois, parce que il est très bien pour les grottes, mais dans la ville il faut avoir de l'awareness. Ah bah ouais, 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 bien sûr, il faut être aware. Attends, je crois qu'il y a une de ces saloperies qui est en haut là. Ah non, elle est là. Ok, donc ils arrivent toujours ici en gros. Waouh, mais c'est. Wow, quelle horreur! Je crois que c'est les derniers là qu'on a à côté. Ok. Ouais. Leur poser une visite. Et je crois que j'ai fait exploser aucune de mes mines encore. Il n'y a pas des niveaux où c'est juste un boss? Genre le niveau est c'est juste le boss? Ah, pas vraiment, souvent les boss ils ont de... Si t'as quelques niveaux, il n'y a qu'un boss, mais ils sont assez rares. Et souvent c'est un peu des events, tu vois. Ok, je vois. Alors, oh, j'espère que ceux-là ils sont pas complètement dans le mur. Ah, non, sinon. Non, ouais, sinon tu peux te faire enculer parfois. Ah ouais, donc tu peux vraiment rester bloqué. Ouais, voilà. Mais les missions sont faciles à recommencer. Là, je prends à gagner. Ouais. Je crois qu'il y en a plus, là. Ah, il doit peut-être en rester un ou deux, non? Bah, on rejoint les squads, du coup, on va rejoindre les bleus. Bon. Non, c'est bon. Ah, bah ça va, on a réussi. Eh bah, c'était bien flippant, sa race, hein. Voilà. Je propose... Wow. Je propose qu'on essaye de faire une mission un peu plus ouverte avec plus d'accent sur les véhicules, mais okay, genre d'accord. On se lance tout de suite. Bah, hein. Ouais, voilà, j'ai pas envie de montrer forcément les classes de Air Raider ou de... Enfin, de Wing... Wing Lady ou je sais plus quoi, tout ça. Ok. Mais le Wing Diver et le Fencer... Alors le Wing Diver, c'est une Valkyrie qui vole et qui a des armes à énergie. Il faut qu'elle gère son énergie, mais elle peut voler. Ok. Et le Fencer, voilà, comme on l'avait dit, c'est un tank sur pack. D'accord. Alors, je vais continuer avec le Air Raider. C'est marrant parce que du coup, ça me débloque les missions... Dans le désordre, ouais. Ouais, dans le désordre. Il faudrait qu'on les fasse dans l'ordre. En fait. Alors, ouais, on va faire cette mission-là parce qu'elle est bien. J'ai envie de tester le Fencer. Oh, test, ça sera une belle mission. Par contre, le Fencer ne peut pas utiliser ce véhicule. Ok, bah, c'est pas grave, je vais tester le Fencer. Il est un véhicule. Il est un véhicule. Ça a l'air d'être un gros véhicule sur pattes, ouais. Je vois qu'il a des jetpacks. Alors moi, je vais peut-être voir si j'ai des missiles à lancer. Alors, classe Fencer. Je peux changer la couleur, trop bien. Oh, trop cool. Ah, je le veux vert, comme ça on dirait le Guyver. Oh yes. I am the Guyver. The Guyver. Avec la voix de Solid Snake. Bah bien sûr, bien sûr. Eh bien, t'as vu la guerre des mondes? Oh non, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Oh, mais attends, ils ont des mechas aussi? Ils ont tout. Waouh, voilà, c'est une vraie question, les amis ont des tanks. Oh, mais trop bien, je peux faire... Ok, en gros, ça me sert juste à faire Alors, si tu changes ton arme, tu peux faire un autre dash. Si tu changes ton arme. Alors, attends, comment... R1, non, attends, R1, ça me fait pas ça... Non, R1, moi, il me fait le dash, moi. Alors, ici, avec triangle. Triangle, ok, ça marche. Waouh, j'ai deux gatling, mec. Et là, tu peux sauter vers le haut, je crois. Essaye de sauter vers le haut. Attends. En effet, ouais, en effet. Mais t'es très lent, hein. Ah ouais, je suis méga lent, ouais, je suis méga, méga lent. Mais par contre, méga balèze, quoi. Oh, je veux tester de tuer les gros, là. Je veux détruire les gros. Oh, mais je leur mets des shots. Oh, c'est trop bien. Ah non, t'es un vrai tank dans ce mode là. Comment je recharge? Attends. Ok, ça va, il a rechargé. Ouais, t'as un bon tout ça. Oh là là, et deux Gatling à la fois en plus. Ouais. Oh là là, ils savent pas quoi faire. Oh, je l'ai détruit. Ah, la puissance. Alors. Ah, je crois que j'ai raté le gars. Ah, c'est cool. Eh hey, mais ils sont géants ces monstres robots là! Ah merde, je suis déjà KO. Ah, c'est difficile de jouer hein, avec cette classe là. Il est très,
très basé sur le spin. En fait. Ah, bah dis donc. J'essaie de te chercher. C'est vrai, je pense que c'est la même chose parce que du coup j'aurais du mal à te faire aimer, c'était trop loin. Ouais, t'inquiète. Je vais bientôt avoir mon Vegeta. Ok, d'accord. J'ai hâte de voir c'est quoi ce Vegeta là. Alors voilà. Attends. Ouais, fais gaffe parce que quand je te ressuscite, t'as la moitié de ma vie. Ouais, attends alors. Ah merde, mais putain. Oh là là, quoi, ils te chopent, hein, c'est quelque chose. Fais gaffe, voilà. Eux là, c'est des horribles, je pense. Ouais, par contre, le Blastoise Spear là, ça leur fait du stagger à mort. Alors attends, j'arrive. En fait, ouais, je tire un marqueur, mais après, c'est dur de savoir si j'ai touché les gars. Je demande des tirs de la part d'un. Ah merde, ah non, ouais, une fois qu'il chope, c'est vraiment compliqué à jouer, ouais, en effet. Ouais, essaie de te casser et de chercher de la santé. Ah ouais, je vais essayer. Attends, avant, ici, ils vont choper un là. Et en plus, les armes ne vont pas méga loin non plus. Je crois que j'en ai tué un. Ok. Allez, le Vegeta, je crois qu'on l'a fini en plus bientôt. Ah, c'est ce truc là que je vois au sol. Ouais. Ah ouais, dis donc, c'est beau, hein. Attends, est-ce que c'est. Ah là, je vois un soin, là. Il faut soin. Attends, parce que là, je t'approche pas de la fumée bleue, parce que la fumée bleue, c'est là où j'ai ordonné okay. que notre vaisseau tire. Ah, vite merde. Donnez-moi le Vegeta. Ah, je le vois, il atterrit. Et là, je vois de la santé, et à côté, je vois encore de la santé. Ok, ça va, je récupère un peu de vie. Mais il est trop cool, ce truc, on dirait un mini Gundam. Vas-y, je te suis, mec. Je te suis. Allez, les deux tanks. Je te suis. Allez, on y va. Double Gatling. Ils n'ont pas fini. Regarde la côte. Ah, il y en a encore qui arrivent. Oh merde, ouais. Mais ils sont trop nombreux. Attends, c'est bon offensif. Il va falloir se préparer. Putain, le second impact. Le second impact. Allez, je récupère un peu. Allez, on reste ensemble et on essaie de faire artillerie lourde. Bah c'est mieux, hein, c'est mieux. Attends, j'essaie d'appeler d'abord l'attaque wave. Ouais. C'est très mauvais ce que j'ai fait, j'aurais dû prendre un guidage laser. Merde. Putain, il est énorme ce mecha. T'as vu? Et il est niveau 1. Oh là là. J'ai débloqué avec toi en mode normal, c'est-à-dire que c'est vraiment une arme de débloquer. C'est vrai que j'ai... Mais il doit être dur à trouver. Faut vraiment que j'ai débloqué. J'ai jamais eu avant. Wow. J'ai réussi. C'est moi ça. Putain, trop bien. Tu crois que t'en as eu? Je crois que j'en ai eu. Ouais, tu crois que je peux les avoir avec la Gatling d'ici? De toute façon, t'en fous, t'as les mises à l'unité. Ça fait un peu loin, non? Ouais, t'as pas vraiment l'arme pour ça. Après, t'auras des canons, genre des canons en piton. Ouais. Mais là, ouais, t'es pas à la bonne distance. On bon, bah merde alors. Ah, bah là-bas sur la côte, ouais. Eux, je crois qu'ils pourront nous aligner par contre. Ouais. Ouais, il faut vraiment que j'essaye le spear là. Mais de les toucher avec le spear, ça serait bien. Ouais, joli. Oh là là. En fait, c'est pas moi, je crois. Ouais, c'est quelqu'un d'autre, mais quand même, c'est beau, hein. Ouais. Ah, attends. Allez, les chop. Ah, je commence à tirer des missiles. Ok. Ah là là, t'as vu comment il tombe. Ah là là. Allez, double Gatling. On y est. Regarde comment il galère. Chope-toi ça dans la face. Il est bon, ouais, il est fait comme un rat. Ah, tu vois comment c'est dur en tuer. Putain, c'est quoi ce bordel? Pourquoi tout tombe du ciel? Parce que là, je crois que c'est notre airstrike, ça. Je crois que là, on a appelé la colère mais de Zeus. Mais y'a, putain, mais y'a plus personne autour de nous. Ah, y'a encore des gens sur les côtes, hein. Ok, d'accord, allez, on va aller choper ceux-là. Ah, j'ai bientôt plus de missiles, enfin plus de roquettes. Alors, si ça va le tuer, oui. Ok, moi, ça va encore au niveau de mes Gatling. Bon, ok, ça va, on en a eu un, super. Allez, recharge les deux, là. Ah, ça, c'est juste un scénario en plus, hein. T'as vraiment des choses, t'as vraiment des scénarios genre Starship Trooper aussi. Bah, c'est vachement fun, hein. Bon, c'est vachement fun. Une seule plaine et des insectes qui continuent d'attaquer. Ah là là, c'est bon, on est bon là, on a pris le rythme, on a pris le bon rythme, là. Ils sont foutus. Ah là, je crois qu'on va gagner facile là. Ah, ils sont foutus. Ah, c'est regarde trop bien. Comment ils se fait péter la gueule. Le allez, pauvre. Le ah, ils font presque de la peine. Ah, j'adore ça. Voilà, elle est faite, non? Ah, ils l'ont pas tué. Allez. On va quand même donner un petit coup de barre. C'est excellent. Ah, il est mort. Voilà. Et c'est quoi? Et c'est déjà fini. Il y a pas un petit boss là? Oh, ça aurait été bien un petit boss sur une côte comme ça. Ah, on est encore au début là. Hein. Ah, la Peace Walker. Là, on est encore au niveau du début. Ah là là, superbe.
Eh ben génial. Bon, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Je pense qu'on en a, ouais, on en a montré pas mal pour cet épisode en tout cas. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez bien aimé et si vous voulez plus d'épisodes et pour qu'on puisse montrer plus de. On va niveau. Si on continue ça, on va suivre le progrès de Snektooth. Voilà, on va. Après, rien ne m'empêche de level up un petit peu pour montrer vraiment les trucs les plus déjantés. Justement, etc. c'est mieux comme ça pour level up pour toi aussi. Ouais. Comme ça, plus tu level up toi, plus moi j'ai le droit d'utiliser mes armes pétées en fait. Tout à fait. Donc c'est super. Bon, je propose de terminer cette vidéo ici. Oui. Merci tout le monde de nous avoir suivis. C'était Snektooth et Simon Thierry avec Earth Defense Force. Simon Thierry, le mot de la fin. EDF. EDF, vive EDF, vous l'avez dit. Voilà. On dirait un peu, ça fait un peu société d'électricité ou des eaux là, tu vois. Ouais. Ah bah, en fait, c'est eux qui ont pris l'armée après c'est... la Ah putain, j'ai encore reçu une facture d'EDF. La télé 4 tiers n'a pas aidé. Donc voilà, gros bisous à la grand-mère de quelqu'un, vous-même vous savez. Voilà. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Yes!